Attention, chers clients et invités de marque. Une âme courageuse a choisi d'affronter son destin. Un coureur a décidé de se confronter à la ligne rouge. C'est le moment ou jamais d'admirer notre intrépide volontaire et de réfléchir à vos paris. Voyez-vous le feu qui brûle dans ses yeux? Cette détermination inébranlable. Nul ne peut nier que le spectacle s'annonce palpitant. Les règles sont simples. Traversez cette porte et descendez en ascenseur jusqu'au départ de la ligne. Activez la balise au pied de la tour que vous verrez au loin. Finissez le parcours, revenez en vie et vous aurez gagné la course. Allez-y et voyez si vous pouvez survivre à la ligne rouge. C'est parti. Remarquez que je ne sais toujours pas ce que c'est. Hein. C'est juste un parcours à la con. Et... je vais sauvegarder quand même au cas où avant parce que... oh, pourquoi, mais je sens l'arnaque. Dernière chance. Ah d'accord, c'est l'extérieur. C'est quoi, il faut que j'aille jusqu'au fond là-bas là ? Mais oui, je sais ce que je fais, oh là là. Ah oui. Prenez tout ce qui peut être utile et laissez le reste. Attendez. Putain de merde, niveau 94. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? C'est une bête, ça? La vache! D'accord, donc la ligne rouge, en fait, c'est...
la taille de ce complexe, on a de bonnes chances d'y croiser des forces de sécurité. Ok. Code numéro 1, kit de soins. Ça vaudrait peut-être la peine de jeter un coup d'œil. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est revenir en vie. Malheureusement, la balise a tendance à attirer l'attention. Bonne chance. Ah la saloperie. Ok, allez, c'est reparti. Je suis quasi sûr qu'il va y avoir une grosse bestiole à un moment. Il va y avoir un gros truc, un truc énorme. Il y a Godzilla qui va se ramener, j'en sais rien, mais c'est possible autrement. Comment ça, je tire les mouches? Tu m'as pas vu le buter? Eh bah putain, j'aurais balancé 1000 balles là-dedans. Oh, j'ai touché. Wow, le ralentissement là.
Oui. Eh ben, ils étaient pas en solde. Hein. Félicitations. Vous avez réussi là où la plupart échouent lamentablement. Vous n'avez même pas l'air fatigué. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. À votre tour maintenant. En effet. Et avec quel brio. Comme promis, je vais vous arranger une rencontre avec Marco. Je vais lui envoyer un message pour l'informer de votre arrivée. Prenez un moment pour vous détendre. Profitez de notre hospitalité. Je reviens bientôt. Bon. Ouais, bah... Vous feriez bien d'arrêter d'embêter mon unité ou il y aura des conséquences. Vous avez réussi. Oh, tu dois être dégoûté. Vous êtes de retour. Ça va? C'est largement dans ma corde. Vraiment? Soit la réputation de la ligne rouge est surfaite, soit vous êtes vraiment redoutable. Je suis soulagée que tout se soit bien passé. Pourquoi? Vous aviez peur d'avoir fait toute votre petite enquête pour rien? Je m'attends pas à ce que vous compreniez. Vous ne voyez que ce que vous pouvez tirer des gens. Je suis contente. Parce que vous avez fait preuve d'un courage incroyable et qu'on a besoin de rangers de votre trempe. Et je vous dois des excuses. J'ai été odieuse envers vous au début. Je suis désolée. Je sens que votre hostilité est due à une tragédie passée. Mais comment savez-vous? Un jour, peut-être, je pourrais. Mais le moment est mal choisi. On doit se concentrer sur une tâche précise. Après votre départ, je retournerai au rocher pour informer le marshal de votre avancée. Revenez-nous indemne, député. C'est un ordre. T'as toujours été la gentille de la famille, petite sœur. Oh, va te faire voir. Ou bien rends-toi utile et va nous chercher un verre. Bon, j'aime pas comment il parle, l'autre, là, derrière. Vous allez réessayer? Moi, j'oserais pas. Vous êtes là pour vous baigner dans ma gloire. Pourquoi? Écoutez, je ne veux pas être mal poli, mais j'essaie de me détendre, et vous autres ne me laissez jamais un instant de paix. Je vais vous dire un truc. Si vous voulez discuter avec moi, ce ne sera pas gratuit. Apportez-moi un Flash Jordan du bar et on pourra discuter. Ok? Allez vous chercher vous-même votre verre. C'est comme ça qu'on parle à une superstar de la ligne rouge. Si vous voulez vraiment discuter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était très impressionnant. Tu peux te le mettre derrière l'oreille, ton verre. Foiré. Respectez les règles de la maison si vous voulez pas vous retrouver. Ouais, je leur dirai. Alors, May. Il est temps pour moi de respecter ma part du marché. Vous trouverez Marco sur Kodos, à bord de son vaisseau. Je vous suggère de ne pas le faire attendre. La patience n'est pas son fort. Cap sur Kodos, alors. Bien. Bon voyage. Si un jour vous ressentez l'appel de la ligne, elle sera toujours là à vous attendre. Bon, s'il n'y a pas d'autre intérêt, là, j'ai même pas gagné de pognon. Vaisseau inconnu, préparez-vous à... Attendez, je connais cette personne. Elle nous a aidés sur Altaïr 2. Ici le capitaine Myong, répondez. Encore elle? Allez, ravi de vous revoir. Alors, vous passez encore votre temps à risquer votre vie pour des inconnus? Apparemment, je suis toujours là pour sauver le monde. Vous êtes l'une des créatures les plus bizarres que j'ai jamais rencontrées. Une véritable anomalie. Vraiment? D'accord. Vous avez le bonjour du soldat Tsai. Maintenant terminé, je ne fais plus passer de message. Silence, Marines. Le commandement a mis fin à notre mission d'entraînement non autorisée. On a malheureusement perdu quelques hommes, mais les accidents arrivent même au meilleur. C'est une mission d'entraînement incroyable, et un honneur de la faire avec vous. Moi aussi. Vous feriez un marine d'exception. Mais... super heureuse de vous connaître aussi. Le commandement nous envoie vers l'inconnu. Mais accepteriez-vous un dernier petit cadeau de départ? Oh. Oh, pas besoin de me donner quoi que ce soit. Dites-vous que c'est en souvenir du bon vieux temps avec vos amis de l'UC. Beaucoup de gens bien vous doivent la vie. Peut-être qu'un jour, certains d'entre nous pourront vous rendre l'appareil. Myong, terminé. Ah, j'ai obtenu une lame, d'accord. Bon. Prends cet oiseau au sol.
Avez-vous besoin de mon aide? Et son vaisseau juste ici. On n'a pas eu à aller bien loin. Il va pouvoir s'expliquer, notre contrebandier. Oh. C'est vous qui avez vaincu la ligne. Eh ben, une chose est certaine, Grazini aime faire étalage de sa richesse. J'avoue. Putain de merde. Ah, je serai à l'intérieur d'un hôtel. Cette musique va finir par m'endormir. Mais il est... Oh, ah, d'accord, ouais, non, vous le vaisseau est beaucoup plus grand que ce que je croyais. Les meilleurs mercenaires. Certaines des pièces exposées ici sont vraiment incroyables. Elles méritent d'être dans un musée. Je peux pas piquer le vaisseau. J'aimerais piquer le vaisseau. Ah, la douce rengaine du Pianoac. S'il vous plaît. Vache, regardez-moi ça. Bienvenue. Le message de Maid ne disait pas pourquoi vous vouliez me rencontrer. Si vous voulez du travail, mon organisation est toujours à la recherche de pilotes et de gens prêts à prendre des risques. J'ai quelques questions au sujet de la première. Ah, je vois. Vous avez du mérite. Je suis un homme difficile à localiser. Même si nous n'avons pas spécialement fait profil bas ces derniers temps. Vu la nature du contrat, un certain degré d'exposition a toujours été un risque, mais un risque calculé. Pour être honnête, je crois que le Major cherche la confrontation avec les Rangers. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu que le Marshal ait envoyé un député au lieu d'un vrai Ranger. Je parie que ce député sera brisé tous les bâtons que vous nous mettrez dans les roues. Et qui êtes-vous? Sarah. Sarah Morgan. Sarah, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes clairement une femme aussi belle que raffinée. Okay, évitons-nous la phase des compliments et avançons, voulez-vous? L'avenir de votre camarade député pourrait être radieux, à condition de garder nos têtes. Je veux tout savoir sur les opérations de la première, ainsi que l'identité de votre commanditaire. Je ne sais pas si vous avez bien conscience de la situation, député. Vous êtes sur mon vaisseau, avec mes gardes, qui n'hésiteront pas un instant à vous tuer. Je suis un homme d'affaires. Si vous voulez que je coopère, vous devrez faire quelque chose en échange. Je ne vous dirai pas tout. Je suis toujours loyal à mon unité. Mais je peux vous indiquer la bonne direction. En échange, je veux que les Rangers arrêtent de se mêler de mes affaires. Contre-proposition, j'accepte de vous laisser partir si vous quittez l'espace de Liberastra. Je ne peux pas faire ça. Les pertes qui en résulteraient seraient trop grandes. Et si j'adoucissais un peu le marché? Acceptez, et il y aura un petit extra, rien que pour vous. Hors de question. Dites-moi ce que je veux savoir, ou subissez les conséquences. J'ai une meilleure idée. Je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez pas savoir, alors qu'il le faut. Le Conseil des Gouverneurs est un groupe de menteurs avares et corrompus, qui se servent de vous et des Rangers pour protéger leurs propres intérêts. Vous croyez vraiment qu'ils ont quelque chose à faire des habitants de la Confédération Liberastra? Ce n'est pas vous qui allez me persuader d'abandonner mon poste. Si mon temps dans la première m'a bien appris une chose, c'est que c'est la loyauté aveugle qui vous tue. Il est temps que vous l'appreniez aussi. Il faudrait qu'on parle. Ne laissez rien d'abord. Et une victime de plus. Qui est le prochain? Ah, excusez-moi, je n'ai plus de truc de soin du tout. Comment ça se fait? Ah voilà, kit de soin, je me disais bien. C'est juste que j'avais pas du tout les mêmes que d'habitude. Voilà. Je vais crever. Allez. Alors, moi, je veux buter tout le monde et je veux récupérer le vaisseau.
ça? Où est-ce que je vise? Se calmer avec une diapompe. Oh merde, mais où est-ce que je vais? Il est où cet ennemi là qui est sur le point rouge là? Ah. Évidemment. Ah, elle l'a tué? Ah d'accord, ça doit être une autre... Attends, mais puisque là j'ai buté tout le monde, y a pas moyen de récupérer le vaisseau? Il est trop beau le vaisseau, je veux pas le laisser. Attends. Depuis que nous avons parlé de la bataille de Cassiopée, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Quoi? Putain, elle est vénère la Sarah! Ah la vache! Depuis que nous avons parlé de la bataille de Cassiopée, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Je voyais bien que ça continue de vous tracasser. C'était si évident que ça. Je pensais pouvoir gérer ces souvenirs, mais je crois que je ne pourrai jamais être en paix tant que je ne retournerai pas à Cassiopée. Laissez-moi vous aider. Ça me ferait plaisir. En fait, j'en aurais même besoin. Mais il y a un problème. Ça va être très compliqué de trouver l'emplacement du crash. Je crois qu'on peut commencer par localiser mon vieux campement sur Cassiopée 1. Mais pas dit que vous étiez devenu après cette bataille. Y a rien à dire. J'ai survécu, ce qui est pas le cas de mon équipage. Mais j'oublierai jamais ce moment où mes doigts ont effleuré le bouton de largage. Est-ce que j'allais survivre ou exploser en une boule de feu? Apparemment, ma navette avait juste assez de puissance pour effectuer un atterrissage d'urgence sur la surface de la planète. C'est impressionnant que vous ayez réussi à atterrir en douceur après une éjection aussi proche de l'exosphère. Je qualifierais pas ma manœuvre d'atterrissage en douceur, mais merci quand même. Je vais mettre le cap sur le système Cassiopée. Attendez, je connais pas l'emplacement exact de mon campement. Pour ça, nous allons devoir aller au TAMS pour essayer d'obtenir cette information auprès de mon vieil ami, l'amiral Logan. Je me sens comme une tension entre l'amiral Logan et vous. Votre instinct ne vous trompe pas. Logan et moi, on s'est échauffé plus d'une fois quand j'étais avec le corps des navigateurs. On ne s'est jamais rencontrés physiquement. J'espère que je ne vous en demande pas trop.
La dernière chose que je souhaite, c'est vous traîner dans une sorte de croisade personnelle. La croisade, c'est ma spécialité. Merci. J'avais vraiment besoin de rire. En vérité, je suis morte de trouille. Je sais pas si je vais réussir à gérer ce qui m'attend sur Cassiopée. Si je commence à craquer, je vais avoir besoin de quelqu'un pour me remonter le moral. Je vous couvrirai. J'en doute pas un instant. Vous avez toujours été là quand j'avais besoin de votre aide. Je comprendrai jamais pourquoi vous me soutenez toujours. C'est parce que je vous aime, Sarah. Je sais pas quoi dire. Oh, j'ai tant cherché des réponses dans les étoiles que j'en ai oublié de voir ce qu'il y avait sous mon nez tout ce temps. Le grand amour. Oh putain. Je pense sérieusement à vous en faire part depuis longtemps, mais... Je suis pas prête. Pas encore. Putain, décidément. Nous y mettons un terme. Vous êtes trop critique envers vous-même depuis bien trop longtemps, Sarah. Et Aja ? En voyageant avec vous, j'ai découvert que les amitiés fluctuent suivant les circonstances. J'ai travaillé avec Aja lors de longs trajets spatiaux et nous sommes devenus amis. Quand elle a quitté Constellation, cette amitié a pris fin. Mais je suis certaine qu'à ce stade, même si une grande distance nous séparait, nous ne perdrions pas le contact. Vous êtes trop critique envers vous-même depuis bien trop longtemps, Sarah. C'est vrai, je le reconnais. Enfin bref, je vous ai fait perdre assez de temps et vous avez beaucoup à faire. J'apprécie vraiment votre proposition de visiter Cassiopée. J'espère pouvoir tourner cette page qui me hante depuis trop longtemps. Les Rangers sont toujours à l'affût. Bonjour, député. Il paraît qu'on vous croise d'un côté à l'autre de la Confédération Liberastra en ce moment. Il vous plaît ce boulot ? Faire un travail utile est une sensation extraordinaire. Je suis ravi de l'entendre. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai une nouvelle tablette chiffrée pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ? Alors ça, c'est nouveau. C'est effectivement très intéressant. Je vais voir ce que je peux faire. Si vous m'en apportez d'autres, j'aurai plus de contexte pour comprendre le chiffrement et accélérer le processus. En attendant, faites attention à vous, député. De ce que j'ai entendu, ces mercenaires sont impitoyables. Merci, papa.